y a des livres comme ça qui vous apparaissent absolument essentiels sur une question donnée. Du sexisme dans le sport de Béatrice Barbus fait partie de cela. Dans cet ouvrage, la question posée est finalement assez simple. Pourquoi le sport, porteur de valeurs, de solidarité et de respect, exclut la moitié de la population? Où sont les femmes dirigeantes de clubs, arbitres, coachs? Pourquoi y a-t-il si peu de sportives dans les différents médias? Ce qui fait la force de ce livre, à mon sens, c'est la double casquette de son auteur. Puisque Béatrice Barbus apporte à la fois un regard scientifique, étant donné qu'elle est sociologue, maître de conférence, mais aussi un regard de terrain, puisqu'elle a été pendant plusieurs années présidente d'un club masculin, l'US Ivry Handball. Cet ouvrage offre des pistes de réflexion sur des interrogations telles que: est-ce que le sport féminin existe? Est-ce que les sportives sont condamnées à utiliser leur image pour attirer de potentiels sponsors et les médias? Dans ce livre, on retrouve aussi plein d'affiches sur des événements sportifs, mais ces affiches vendent davantage le corps des principales protagonistes que l'événement en lui-même. Si vous vous intéressez au sport au féminin, cet ouvrage devrait extrêmement vous enrichir.